Sandra. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Pensez-vous que j'ai besoin du micro? Est-ce que ça va si je parle comme ça? Ça va. Ça va. Ça m'a donné, tout à coup, vous sentez que ça baisse, vous me le direz. merci, Langis. C'est toujours avec beaucoup d'humilité qu'on entend quelqu'un nous présenter. Merci. C'est un privilège d'accompagner les organisations, comme Grande-Rivière, puis comme plusieurs de vos organisations dans le passé. Puis, je pense qu'on est privilégié comme accompagnateur. Donc, je me sens privilégié aujourd'hui de pouvoir avoir ce dialogue-là avec vous. Je vois ça comme un dialogue, notre rencontre d'une heure, une heure et quart cet après-midi. Si vous attendez à une conférence, je vais vous détromper parce que je vais vous faire travailler aussi. Vous êtes tous dans des rôles de leadership importants, comme conseillère et conseiller scolaire. Vous avez fait un choix conscient. Je pense que le mot de ce matin que vous avez utilisé, discernement, vous l'avez sans doute utilisé dans vos réflexions. Je pense à un moment donné dans votre parcours, ou peut-être à tous les 4 ans, pour réfléchir à savoir si vous étiez prêt à vous réengager. Puis l'engagement, c'est énorme dans vos cas. C'est énorme pour le temps, mais pour l'énergie, pour les idées, pour tout le travail que vous déployez. Donc, aujourd'hui, la question qui est devant nous, c'est un peu une thématique de réflexion sur c'est quoi la succession dans nos conseils scolaires catholiques en Ontario. Qui est responsable de la succession, puis de votre succession? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre table politique? Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation? Est-ce que c'est la FOCSC? Est-ce que c'est les membres de la communauté qui ont juste à se débrouiller eux-mêmes, puis on aura l'état politique qu'on aura, puis on va espérer pour le meilleur des coups? Donc, c'est ça le thème de la discussion cet après-midi. Parce que le leadership dans les conseils scolaires, comme le leadership dans toute organisation, je pense que ça se planifie. Ça s'organise un peu jusqu'à un certain point. Puis, l'objectif, c'est de vous amener à réfléchir individuellement et peut-être collectivement avec vos tables politiques si vous choisissez au retour ou à un certain moment donné, l'année prochaine ou dans un temps qui vous conviendrait pour réfléchir, bien, c'est quoi votre stratégie, surtout à quelques mois de la prochaine élection. Le timing est comme intéressant. Donc, dans le fond, on aurait pu appeler cet atelier ici la vitalité démocratique des conseils scolaires. Parce que c'est par votre présence à vous que, dans le fond, la volonté de ce qui est exprimé dans la Constitution canadienne du droit de gestion des francophones s'exerce. C'est par vous. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de monde qui s'intéresse, donc? Parce qu'il y a une question de vitalité démocratique aussi qui se pose. On pourrait se poser, oui, la même question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas personne qui va se présenter ou qui ne sont pas des douzaines à se présenter pour des postes à la FO, comme pour nos élections municipales ou nos élections provinciales en ce moment aussi. Donc, je pense que c'est une question de vitalité démocratique qui m'apparaît, bien, qui nous apparaissait importante. Dans le fond, c'est la FOCSC, c'est vous qui m'avez approché pour, dans le fond, vous aider et réfléchir un peu à cette question-là. Donc, c'est ça le thème de notre atelier. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir les élèves conseillers avec nous. Moi, je pensais qu'ils seraient dans l'atelier, donc j'avais prévu quelques crochets. Mais c'est intéressant de leur poser la question parce que voilà une relève potentielle. On connaît un nom que tout le monde connaît, évidemment, Dominique Giroux, qui est passé par là, qui a choisi de faire le saut. Ça lui a pris pas mal de courage. Aujourd'hui, on peut dire, ben oui, lui, c'est un superstar. Mais à l'époque où il y avait l'âge des jeunes qui sont ici, il ne savait pas qu'il y aurait ce parcours-là. Donc, c'est une belle trajectoire. Puis, il y en a peut-être d'autres exemples comme ça que je connais pas. Puis, je m'excuse, j'utilise une référence d'Ottawa. Mais je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Donc, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Fait qu'on va passer toute la soirée ensemble parce qu'on a long à parler. Oui, exactement, tout à fait. Là, le débat va vraiment commencer. Donc, pourquoi est-ce que c'est important et pertinent comme thème? Bien, je pense que effectivement, premièrement, il y a le rôle essentiel que vous jouez, bien sûr, dans le bon fonctionnement des conseils. Votre rôle premier de donner les orientations stratégiques comme vous l'avez fait à travers votre plan stratégique puis que vous faites régulièrement chacun et chacun d'entre vous aussi. Donc, c'est aussi le travail de supervision que vous faites de vos directions d'éducation qui ensuite encadre tout le travail des priorités dans les conseils.
On sait très bien que c'est par ce truchement-là qu'on voit les priorités se mettre en place ou pas, selon vos choix. Puis ensuite, évidemment, c'est donc essentiellement la santé démocratique des communautés, parce qu'on sait à quel point nos conseils scolaires, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais c'est presque les seules institutions piliers garanties dans nos communautés. Puis Peter m'en voudrait s'il était là, mais les organismes membres de l'AFO, des AFO, etc., sont vraiment tributaires des fonds publics. Ils sont tributaires de plein de contextes et de situations. Les institutions scolaires, les conseils scolaires sont garantis par nos droits. J'espère qu'on peut prendre ça pour acquis. J'espère que je ne me trompe pas. Il y a des droits dans d'autres pays qu'on prenait pour acquis, pas très loin au sud, puis ils sont en train de s'effondrer. Mais je pense que c'est des acquis importants, donc c'est le rôle des élus est d'autant plus important. Bien sûr, aussi, un autre enjeu d'important maintenant, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance des organisations. On voit ça surtout dans des conseils d'administration, probablement que chacune et chacune d'entre vous siégez sur des CA, en plus de vos rôles de conseiller scolaire aussi. Mais dans les conseils d'administration, il faut parler de renouvellement. On est tout le temps en train de penser à qui pourrait être la relève, qui est-ce qu'on pourrait recruter. Puis une des différences qu'on va voir plus tard, c'est bien sûr que dans les CA, souvent maintenant la mode, c'est de développer un profil de compétences. Ah, ce serait fun d'avoir un comptable. Ah, ça nous prendrait un conseiller juridique pour que, comme conseil, on a des avis là-dessus. Ou ça nous prendrait quelqu'un de la communauté autochtone, parce que ça a été inspirant à la conférence de ce matin, puis on a une grosse clientèle qui est autochtone, mais il n'y a personne. Communauté autochtone au CA qui en prend des décisions. Mais dans un conseil d'administration, on peut faire ce genre de choix-là, puis faire des choix de candidats. Mais pas vous. Vos tables sont élues dans un autre système, bien sûr, grand public. Mais est-ce que vous pourriez avoir un rôle d'inciter les gens, de les intéresser, de leur faire des suggestions? Alors ça, c'est peut-être des questions à se poser. Donc, je pense qu'effectivement, ce qu'on se dit, c'est que une responsabilité stratégique par rapport à la succession. À moins que vous planifiez tous d'être là pour un autre 25 ans, puis des données intéressantes sur la durée moyenne de mandat du groupe de conseillères et de conseillers actuels que je vais vous partager. Des tendances intéressantes à voir là-dessus. C'est là qu'on sort le vin. Puis effectivement, il y a aussi comme tendance, bien sûr, l'importance de réviser de façon périodique nos pratiques en matière de gouvernance. Incluant à savoir est-ce que la gouvernance et le dialogue au sein de la table, il est sain, il est en santé, et à la relation avec la direction d'éducation aussi. Parce qu'on sait que c'est à partir de ce noyau-là qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire ou ne pas se faire. Et que ça peut, dans des cas, rendre très pénible la vie d'élus et ou d'une direction quand la relation n'est pas, disons, à son meilleur. Et c'est arrivé, puis on n'aura pas de cas, parce que c'est juste normal dans la vie de plusieurs organisations. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment un peu de se sensibiliser sur le besoin de relève, de renouvellement de la gouvernance. Peut-être de susciter une réflexion individuelle. Je vais vous proposer un tout petit temps là, pour chacune et chacun réfléchir à vos choix à vous. C'est peut-être déjà fait vos choix pour l'automne prochain ou pas. C'est quoi les facteurs que vous réfléchissez? Que vous teniez encore dans votre discernement. Soutenir peut-être la réflexion collective sur les conditions de succès de votre élève. Est-ce que votre table politique y a réfléchi? Est-ce que vous seriez intéressé à y réfléchir? Peut-être voir c'est quoi les conditions qui peuvent soutenir le renouvellement des tables politiques. Puis voir s'il y a des prochaines étapes, des souhaits que vous auriez pour la FOCSC dans le contexte. Donc, si je vous demandais à vous, effectivement, quand vous pensez effectivement à la responsabilité du recrutement, c'est à qui cette responsabilité-là? La responsabilité du recrutement des futurs élus. C'est à vous. C'est à vous? Oui. Quand vous dites vous, c'est qui vous? Ben, notre table. Votre table? Et moi aussi, comme, ben, disons que moi, présentement, je m'engage comme président de faire. Je l'envoie, oui. OK. Je vais chercher... Pour susciter oui, les intérêts. Oui, premièrement, j'ai approché ma table. OK. Ceux qui restent, qui quittent. OK. OK. Puis il y en a qui étaient indécis, je les ai appelés. Ah. Puis comme il y en a un en particulier, j'ai dit, moi, ça m'intéresse que tu restes avec nous. Puis je t'invite. Puis il dit, ben, c'est pour y penser. OK. Fait que tu sais, j'ai donné un petit flot, puis... Fait que tu sais, j'ai dit, oui, on a des divergences d'opinion, juste. On a le droit. Hey.
Mais moi, j'étais autour de ma table, OK? Puis ça a l'air... Ça a hésité? Oui. OK. Madame, puis monsieur, je m'excuse. Alors moi, je suis d'accord avec monsieur que c'est notre responsabilité. Nous connaissons notre communauté. Oui. Alors si on veut assurer une relève, je pense qu'il faut identifier des gens, leur en parler, peut-être les inviter à siéger sur des comités du conseil pour éventuellement aller un petit peu plus loin. Moi, personnellement, j'aimerais voir des parents, des gens qui sont encore jeunes et qui peuvent s'investir. Alors, moi, j'ai déjà approché des gens que je pense qu'ils seraient des atouts pour le conseil scolaire. Je te dis, je vous parle pas de la prochaine élection, hein? Pour que ce soit ma compétition, mais... Moi, je trouve qu'avec le conseil scolaire, on devrait continuer d'inviter nos étudiants à notre table, les former. C'est des personnes qui vont foncer, qui sont déjà prêts à se joindre à nous, mais c'est des formés. Nous autres, dans notre conseil, notre département de communication est exceptionnel vis-à-vis de la promotion pour les élections. Mais même en tant que conseiller scolaire, évidemment, c'est un peu difficile. On ne peut pas recruter quelqu'un pour qu'ils mettent leur nom contre nous. Et puis, tu sais, ça devient un peu touchy. Mais, tu sais, si mettons qu'il y a certains de nos collègues qui disent qu'ils ne veulent plus se représenter à la prochaine élection, mais là, on peut commencer la cabale, essayer de recruter pour ce poste-là. Tu sais, mais je veux dire, en gros, je n'irai pas recruter dans mon secteur. Mais ça, c'est intéressant. Donc, le conseil déploie une campagne de promotion. Ça a été fait comme récemment ou? À chaque élection. Chaque élection. Oui, juste beaucoup de promotion, surtout avec les médias sociaux. OK. Ouais. Intéressant. Jean? Oui. Demandez à vos greffiers respectifs quel est le plus gros cauchemar pour eux autres. C'est d'avoir personne dans un poste électif. Là, ils paniquent, que ce soit au niveau municipal ou scolaire. Puis souvent, c'est au niveau scolaire, que ce soit pour n'importe quel des quatre conseils qui existent, les quatre sortes de conseils qui existent, c'est un cauchemar pour eux autres. Il est mieux avoir quelqu'un, une personne au moins, puis là, c'est réglé, parce que sans ça, c'est la responsabilité tombe sur les municipalités d'essayer de trouver quelqu'un pour s'asseoir dans le poste. Nous autres, moi, je sais que on a eu des conseillers élèves, ça fait longtemps que ça existe, là, les conseillers élèves, puis on pense qu'à cette élection ici, il va y en avoir un qui était conseiller élève, qui voudrait revenir, mais comme conseiller scolaire. Ah oui? On pense que ça peut arriver là, à l'élection qui s'en vient, pas sûr encore, là, mais ça peut arriver. Est-ce qu'on va l'encourager? C'est encore la même question. Là. Je vais-tu l'encourager à courir contre moi? Ou contre quelqu'un d'autre à mon frère? Puis on va partir. Mais c'est qu'à ce stade, l'élection, le problème avec l'élection aujourd'hui, c'est que tu peux te présenter n'importe où sur le territoire. Sur ton grand territoire, de tout ton conseil, tu n'es pas obligé, si tu demeures à Sudbury, tu peux aller te présenter dans l'autre territoire qui appartient aussi à Sudbury, là, mais tu n'es pas obligé de résider dans le quartier là-bas. Tu peux résider n'importe où sur le territoire du conseil, tu peux présenter. Moi, je demeure à Rockland, je peux me présenter à Hawkesbury, je peux me présenter à Cornwall, même s'il y a des conseillers scolaires qui sont dans ces régions-là. Ça veut dire ça, puis le négatif. Le négatif. Quand tu dis aux membres qui veulent se présenter, que ce soit un parent ou autre, combien vous avez de réunions par mois? Première question. Comment ça paye? Quand on lui dit, ben, c'est basic salary, 5 000, plus le nombre d'élèves, dans notre cas, ça, on se trouve à l'entour de 8 000 $ par année, ben là, tu es en compétition avec tes conseillers municipaux qui ont un petit district grand même, la ville, puis gagnent 25 à 30 000 piastres chacun pour la par année. C'est que de la différence. Ça pas de même avec. Je veux juste demander une question à M. Jean. Oui. Tu dis que si tu peux te présenter n'importe quelle place, donc tu veux, c'est-tu à toute part à l'Ontario qui tu peux. Non, dans ta district, comme Thunder Bay par exemple.
Oui. On va à Montréal. On va jusqu'à Red Lake, on va jusqu'à Geraldton. Je peux me présenter à Geraldton? Oui. C'est pas l'avantage de la région, mais oui. Ben, s'il n'y a pas personne, tu sais, si la greffière elle t'appelle, ben, elle dit, ben, tu devrais te présenter là, il n'y a personne là, puis je vais être obligé de chercher quelqu'un, tu sais, comme, tu peux te présenter n'importe où sur le territoire de ton conseil. Tu n'es pas obligé de résider où tu te présentes. Bon, là, tu vas avoir des réflexions, là, Jean. Oui, madame. Pour revenir aux responsabilités. Oui. Donc, je comprends les gens autour de ta... Moi, je suis pas conseillère scolaire, je travaille pour un conseil scolaire. Okay. Donc, je comprends les politiciens, justement, de craindre la compétition. C'est comme n'importe quel parti politique à n'importe quel niveau. On n'a pas un poilier qui est accroché Jean Charest en lui disant « Hey, je manque de compétition, il est compétitionné contre moi. » Donc, ça, c'est, je comprends. Donc, il y a une partie, je pense, de responsabilité aussi pour avoir un renouvellement sain qui va aussi revenir au conseil scolaire et aux associations. La FOCSC a fait une campagne justement autour des élections pour faire connaître d'abord le rôle de conseil scolaire auprès de la population parce que c'est un grand manque. Chez nous, on a dû fonder éventuellement à un moment donné une vacance, puis on s'est rendu compte avec les candidatures qu'on recevait certaines, c'était des gens qui avaient une méconnaissance du rôle de conseiller scolaire. Donc ça, je pense que c'est un gros travail à faire. Chez vous, c'est dans quel conseil? CSDCO, okay. Donc l'Est. Okay. Merci. Pardon, oui, allez-y. Oui, c'est ça. Juste pour enchérir sur ce que Jean a dit, nous, dans notre conseil, c'est très difficile d'avoir des femmes. Très difficile. J'ai été la seule femme pendant X nombre d'années avec 7 ans. C'est pas une situation facile. Faut être fort. Mais, et quand on a une ouverture, ben, c'est là que je suis allée chercher Carole, donc on est deux maintenant. Alors, j'ai fait quand même des appels téléphoniques nécessaires parce qu'il y avait une ouverture. Mais comme tu dis, quand tu as quelqu'un en place, si on va encourager, si je voudrais l'encourager, une femme à se présenter, bien là, on va se présenter contre un collègue. Ouais. Tu sais, comme... Alors, puis aussi, l'autre affaire, c'est que les gens vont hésiter à se présenter s'il y a des élections, s'il y a de la compétition. Parce que ça coûte quand même. Il faut quand même faire dépenser un peu, peut-être 2 000 à 3 000, parce qu'on ne fait pas les grosses annonces, nous, dans le groupe, en tout cas, mais il y a quand même des choses à faire. Avec un salaire de 8 000, puis tu n'es pas sûr de rentrer, elles ne sont pas vraiment prêtes à faire, prêtes surtout à faire ça. Les femmes, je ne sais pas, les femmes craignent, les femmes ne sont pas intéressées, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais. Je sais pas, c'est parce que c'est rural, plus craintif ou plus porté vers la famille et l'école plutôt que vers le conseil. Peut-être juste, oui, parce que j'en vois, comme je regarde à Ottawa, il y a beaucoup de femmes à Ottawa. Ouais. Elle est plus femme que je crois. Oui, mais beaucoup de femmes. J'admire ça en passant. Oui, je vous remercie. Donc moi j'ai commencé, j'ai terminé mon deuxième mandat et puis j'ai débuté mon premier mandat en tant que parent, j'avais un enfant dans le système. Et puis je terminais aussi un mandat avec parent partenaire en éducation, je suis aidée à l'RCA. Et puis on m'a recruté et puis moi personnellement je représente pour ma région puisqu'il y avait beaucoup de compétition dans ma région. Donc on m'a demandé, tu peux aller dans une différente région parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et puis justement j'ai été acclamée à mon premier mandat. Donc, tu sais, c'est justement, mais là, maintenant, même s'il y aurait des ouvertures dans ma région, je ne ferais pas du c'est ça, là, pour aller dans ma région. Je vais demeurer dans la région parce que j'ai commencé mon premier mandat, puisque, tu sais, on a des projets et tout ça, puis ça regarderait un peu mal si que je sauterais, même si que je ne représente pas ma région, tu sais, mais je suis quand même assez impliquée. Donc, oui, tu sais, c'est une bonne idée de... représenter différentes régions, mais que tu sois certain que tu vas être capable de te rendre. Je veux dire, on ne durera pas 5 heures pour aller à une présentation ou un. Tu sais, je veux dire, donc si c'est dans les proximités ou si c'est au moins juste en bas d'une heure, ben là, tu sais, ça vaut la peine. Si ça fait du sens, mais je veux dire, tu sais, il ne faut pas aussi. Alors, comment on évite, dans le fond, le potentiel? Conflit d'intérêts entre, tu sais, oui, la volonté qu'il y ait du renouveau, mais aussi, tu sais,
la volonté que le conseil, par exemple, s'ils font des campagnes de promotion, bien que ça s'adonne que dans votre quartier, ils n'en font pas trop de promotion parce que vous voulez garder le poste. T'sais, je pense que c'est des questions peut-être qui se posent pour s'assurer s'il y a réellement une volonté de renouvellement potentiel ou de lutte aussi, si c'est le cas, puis que vous soyez reconfirmé. Dans le cas, on est seulement 8 membres du conseil. Oui. Il faut faire attention, si autour de ma table du conseil, il y en a 4 qui partent, ça arrive à 4 nouveaux oui. qui n'ont pas le. Ils ne savent même pas c'est quoi un conflit d'intérêts ou il y a de la formation à faire. Oui. Là, ça change la dynamique du conseil. Quand ça change la moitié de ton conseil. Que ce soit 12, ça change 6, ou tu es 8, ça change 4, ça fait la différence. Là, l'orientation du conseil peut juste. Virer 90 degrés ou 180 degrés, puis tant que tu t'en vas ailleurs, c'est bon. Oui. Fait que ton administration elle commence à être un peu froide, elle commence à avoir peur un peu pour la liste. Parce qu'après ça, ça poserait la question de comment on intègre des nouvelles et des nouveaux. Est-ce que nos systèmes sont à jour? Ouais. Est-ce que notre cahier d'intégration, il date de 1900? Ouais. L'année de création des conseils scolaires. On n'a pas dépoussiéré depuis. Oui, allez-y. Alors moi, je veux dire, c'est sûr que c'est pas agréable, la compétition, mais c'est sain. Et oui, ça, je vais... Il faut le voir comme ça. Je pense que ça me garde alerte. La deuxième chose que je vais dire, c'est que dépoussiérer. Moi, je me suis joint à une équipe qui était là de longue date. Alors, je pose beaucoup de questions et des fois, ils se l'ont posé, c'est sûr, mais ça fait tellement longtemps que ça, c'est vrai, je sais pas. Alors, les nouveaux, c'est bon aussi, oui. Ben, je dis ça, je parle pour ma part aussi. Mais... Les nouvelles aussi sont bonnes. Juste une petite élevée, j'ai la réflexion que je pense que chez nous, on est 6. Je pense que les 6 vont se représenter. On n'a pas le dynamisme qu'on devrait avoir, mon opinion personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'on doit revisiter le code de conduite. On doit revisiter le rôle et le profil de conseiller scolaire. On doit leur mettre ça devant eux. Éventuellement, peut-être que les gens vont réaliser, ben non, j'ai pas l'endurance pour faire ça. Peut-être que je vais laisser quelqu'un d'autre. Parce que là, ils ont été élus, ils sont à la table. On a parlé une fois, peut-être à l'orientation, mais après ça, on n'en parle plus. Puis des fois, ben, leur façon d'agir a changé ou n'a pas changé, malgré ce que tu as essayé de faire. Alors, c'est peut-être d'être vigilant à faire connaître le rôle d'un conseiller, le code de conduite d'un conseiller scolaire, la gouvernance qu'on utilise, parce qu'il y en a, quand ils sont arrivés, là, ils ne comprenaient pas vraiment la gouvernance telle qu'elle. Alors, il y a toutes ces choses-là qu'on devrait toujours avoir devant nous comme documentation, comme rappel, pour s'assurer que nous, individuellement, on est prêt à rencontrer ces exigences-là, parce que ce sont nos exigences à la table. Je me souviens d'une conseillère que je n'aimerais pas dans un conseil que je n'aimerais pas, et qui, dans une retraite de... Que je n'aimerais pas. Exactement. Donc, je peux rien dire. On avait une réflexion un peu sur leur orientation stratégique et plan stratégique. Puis, en début, j'avais demandé un peu de se présenter et de partager un peu leur motivation. Pourquoi ils étaient là comme conseiller scolaire? Puis, c'était un samedi, puis ils allaient passer toute la fin de semaine dans un hôtel, puis comme vous le faites tellement souvent. Puis, la personne s'est mise à pleurer. Puis, elle s'est mise à pleurer comme, tu sais, assez fort là, pendant un bon temps. Puis, mon Dieu, ça prend du temps avant qu'elle puisse revenir et respirer comme il faut. Puis elle a dit, bien, sa motivation est née d'une frustration comme passionnée contre son conseil scolaire. Elle était je ne dirais pas parce qu'on est dans un contexte catholique. Oui, vraiment, le beau cheval vert. Puis c'était ça, sa motivation. Mais là, elle a été élue parce qu'il y avait tellement de gens d'une communauté X qui étaient comme de son avis à elle. Puis, ce qui était tellement beau à voir, c'est qu'elle disait, moi, ça lui faisait à peu près un an et demi qu'elle était en poste. Puis là, elle avait compris le rôle et les limites du rôle. Oui. Puis le cadre du rôle.
Enfin, j'ai trouvé ça tellement beau qu'elle a dit, tu sais, dans le fond, moi, ma passion n'est pas morte. Mais maintenant, je comprends certains des choix que cette table ici, ou que l'autre table avant qu'elle soit élue, avait fait, puis les limites aussi, puis la complexité de faire des choix d'allocation d'école, des choix d'allocation de ressources qui sont difficiles à faire. Donc, je pense que ça, ça m'amène à dire que la confiance dans les gens, leur motivation, puis les processus qu'ils peuvent encadrer, puis faire comprendre aux gens les limites, qu'ils n'auront pas géré les micro-budgets dans chacune des écoles, mais qu'ils peuvent avoir un choix d'orientation stratégique quand même intéressant. Je pense qu'on a tout un dans nos conseils qui était là pour changer de part. Oui. C'est là où on a intervenu. Je veux dire, on a eu, c'est quoi la session de d'orientation? Juste les conseils qu'on a dit. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est frustrant parce que toutes ces questions ou ces commandants, c'était accusatoire. On a dit, c'était pas capable de parler comme du monde, parle-là. Mais si tu veux parler, tu vas avoir des réponses à tes questions, si tu veux comprendre, il y a une façon de te demander. Ça a changé son approche, mais il n'est pas venu pour deux rencontres. Mais après ça, il est venu. Mais ça a changé sur son approche aussi, parce qu'on ne l'a pas laissé faire. Puis oui, ça ne pensait pas d'être obligé de prendre la formation ou d'apprendre des choses, parce qu'il était là juste pour une raison. Puis là, c'est ça, j'ai hâte de voir s'il va se présenter encore ou pas, parce qu'il va finir son mandat. Mais, tu sais, il faut être responsable aussi de les gens qui sont dans la table. Puis s'il y a quelqu'un qui vraiment pas fait l'affaire, il faut comprendre pourquoi. Puis avoir le courage d'avoir une discussion sur la cohésion d'équipe. Ouais. Puis il y a quand même des principes pour que la gouvernance fonctionne bien, comme la solidarité, puis le respect de la confidentialité. Une fois que les décisions sont prises, quand même, là, il faut être. Il faut avoir autant de débats, mais après ça, quand on va sortir dans le public, si quelqu'un qui prend le micro, puis je veux dire ça, c'est difficile. Là. Je pense que les conseils aussi, il faut qu'ils prennent une réalité. Comme personnellement, ça va dire des distances. Une personne comme moi qui voyage 7 heures pour aller à son conseil chaque mois, faut que tu sais vraiment lister, ça va être dur de trouver la succession. Très dur. Ben, j'aimerais ça vous proposer une petite réflexion individuelle. Ça, c'est un extrait qui est intéressant du guide des élections. Le guide 2022, où effectivement, c'est clair qu'il y a des preuves que les conseillers scolaires ont joué des rôles stratégiques et importants dans plein d'élections importantes. On pourrait en nommer plein d'initiatives locales, mais il y a aussi le consortium du Centre géologique qui en est aussi un autre bel exemple de portée provinciale aussi, qui ont prouvé à plein de reprises qu'ils peuvent changer les choses pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est une motivation que vous avez tous. Puis effectivement, le droit de gestion, j'en parlais plus tôt, mais c'est vraiment le lien que vous faites entre effectivement ce droit-là qui est enchâssé dans notre Constitution, puis la gestion locale de chacune de nos écoles et l'avenir des enfants. Donc, encore là, c'est un rôle qui est très important. Je n'ai pas besoin de le dire à vous. Donc, peut-être juste quelques données statistiques sur le profil ou le bassin actuel. Des 81 conseillères, conseillers scolaires en poste en ce moment. Je pense qu'on a utilisé 81, ça c'est les données que vos administrations nous ont fournies. Okay? Donc, puis il y avait quelques éléments compliqués par rapport aux conseillers élèves. Donc, on les a enlevés de ces données-là pour l'instant, parce qu'il y a des conseils qui nous les ont donnés, d'autres pas donnés, donc pour une question d'uniformité. Juste que vous sachiez que présentement, dans ce bassin-là, vous êtes 37 conseillères et 44 conseillers. C'est quand même intéressant. Pas la parité encore, mais presque. Donc, trois d'entre vous avaient 37 années de service. Ça, c'est-tu 39, toi? 39. Oh non! Bon. Le graphique t'es pas assez long. Il a menti sur son âge pour être resté 2 ans. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y en a quand même 3 qui ont 37 ans d'année, 33 qui ont 31 années,
Donc, quand même, effectivement, c'est assez... Donc, ça, c'est la répartition ici, c'est le nombre d'années de service puis le nombre de conseillères et conseillers scolaires actuellement. Donc, 12 conseillères et conseillers scolaires, dans le fond, terminent leur premier mandat après 4 ans. 9 ont 12 années d'expérience. La fête pour dire, ceux qui ont resté, moi je suis une de 12, y a-tu un graphique pour dire s'ils répètent un autre 4 ans? Celui-là, vous voulez dire? Donc, ah, s'ils répètent, s'ils vont revenir? Oui. Non, oui. Ça, on ne l'a pas demandé dans les intentions. Ça serait intéressant, mais vous voyez ici, 43% du bassin actuel ont fait 2 mandats et moins, puis 57% ont fait 3 mandats et plus. Donc, c'est quand même assez impressionnant le nombre de mandats. Ça, faut que tu fasses attention parce que moi, quand j'ai commencé, les mandats datent de 3 ans. Ah, OK. Caveat. On va mettre une astérix. Merci. Les mandats de 3 ans. OK. Après ça, on est tombé dans le 4e. OK. OK. Merci. Ça, c'est important de considérer. Ça fait 4 mandats qu'il y a 4 ans. Oui, ça fait 4 mandats. Ça fait 4 mandats qu'il y a 4 mandats. OK. C'est ça, avant ça. Ah, ça, c'est bon à savoir. J'ai regardé la moyenne. Donc, la moyenne d'années de service actuellement, c'est 13,3. Pour tout le bassin, c'est 81. La médiane, c'est 12 années. C'est beau, ça. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce bilan-là? C'est quoi votre bilan de santé de ça, Joanne? Ben, c'est... Je vais commencer, mais... Ça prend un petit bout de temps pour savoir c'est quoi notre rôle. Oui, ouais, c'est ça. Donc, un mandat de 4 ans, c'est long, mais c'est pas long. Donc, ça prend cette période-là pour vraiment savoir le fonctionnement. Ton conseil, ton connaître, comprendre les tableaux, comprendre si, comment ça marche au ministère et tout ça. Donc, alors, tu sais, je ne serais pas surprise que les gens fassent plus qu'un mandat, si t'es vraiment sérieux comme ça. Oui. Vraiment bon. Et ensuite, pour des gens qui ont peut-être des aspirations plus loin aussi, ouais. Comme moi, je suis présidente de la FOCLC, j'ai un intérêt par la Fédération nationale. Encore là, je disais, c'est pas juste dans un mandat de 4 ans que je suis capable de faire ça non plus. Donc, tu sais, je dois faire, puis là, moi, je suis terminé mon troisième mandat. Donc, il y a tout ça aussi. Alors, tu sais, ça dépend des besoins des gens, et je pense que c'est quand même sain d'avoir une certaine stabilité aussi quand ça fonctionne bien. Une certaine stabilité aussi, de continuité, de pouvoir s'assurer que ça va bien aller dans le conseil. Alors, je pense que c'est une question, il faut regarder aussi le niveau de roulement, parce que souvent, moi j'ai siégé dans d'autres CA, comme chez Desjardins, des choses comme ça, où on pouvait, parce qu'on n'est pas des élus, mais on pouvait aussi faire cette rotation-là aussi. Puis à chaque 4 ans, disons, on changeait, que les gens partaient, tout ça, donc c'était un risque aussi de changement. Donc, moi, ces chiffres-là, en ce moment, pour ces raisons-là, je me sens à l'aise, mais puis comme ça, je l'explique. OK. Merci. Juste à réflexion, puis quand tu fais partie d'un autre CA, souvent, ils ont déjà organisé des mandats pour assurer qu'une succession, il y a le niveau, puis il n'y en a pas 4 qui partent en même temps. Pour le passé scolaire, c'est pas ça. C'est l'élection, c'est à tous les 4 ans. Alors, c'est pas la même approche. C'est que, tu sais, là, on ne peut pas de partir. Non, c'est ça. Tu n'as pas quelqu'un qui dit, ben, ça fait 2 ans que tu es ici, ou ça fait 2 mandats que tu vas partir, mais il n'y a pas ça qui existe. Mais d'autres CA, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme ça, oui. C'est la loi. Nos élèves conseillers, c'est la même chose. Oui, c'est ça. On a 2 de faire. Mais c'est pour les exposer à l'expérience aussi, je crois, et la raison d'être pour les autres. Mais on n'est pas un CA. Ben c'est ça, il y a des similarités. On n'a pas les mêmes critères qu'un CA d'organisme. Non, mais il y a des similitudes quand même, je trouve intéressantes. Dans le fond, il y a comme un besoin de continuité, que tu sois un CA ou une terre politique d'un conseil scolaire. Il y a besoin de faire connaître la fonction, de la rendre attractive aussi. Oui. Quand vous dites que si vous annoncez le salaire, ben, il n'y a pas grand monde qui vont courir en masse, divisé par le nombre de réunions puis le tourneur. Quand même des outils de sensibilisation pour promouvoir l'engagement. Voir la gestion de candidats potentiels, ça, quand il y a tellement de candidats qu'il faut gérer, ça, ce serait un autre problème. Le besoin d'évaluer les approches puis les pratiques de recrutement. Mais c'est certain que la grande différence, c'est que, demain, vous êtes des tables qui sont constituées par les élections générales, donc il n'y a pas de,
de choix stratégique à faire d'une personne. Vous avez l'obligation de respecter évidemment la, la réglementation en matière d'élection, bien sûr, de la province. Mm-hmm. Oui, c'est ça, bien sûr. Puis il y a aussi sans même certains droits de neutralité, de devoir que vous avez comme conseillère et comme, comme élu. Donc, je pense qu'il y a, mais il y a quand même aussi, le, je pense que la réflexion sur le renforcement et la restructuration de la dynamique, comme on parlait tout à l'heure, puis certains éléments de préparation de la relève quand les gens arrivent aussi, qui ça, il fait quand même partie de votre contrôle pour bien accueillir et intégrer des nouvelles et des nouveaux qui pourraient se joindre à vos tables. Donc, j'aimerais ça vous proposer, oui, Dan? Question pour vous, oui. Avec, je pense, au prochain thème. Oui. Dans le tableau que j'ai présenté, oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des vacances ou est-ce que c'est un. Est-ce que la situation est un problème ou est-ce que certains conseils ont des postes vacants? Non. Toutes les fois sont congés. C'est tous comblés. C'est sûr qu'il y a des conseillers conseillers qui ont fait plusieurs mandats, mais pas de façon consécutive. Ouais. T'sais, donc, des gens qui partent, puis ensuite qui reviennent, qui prennent une pause. Donc, oui. En cas de vacances, ça arrive, mais pardon? C'est la deuxième pire. Pire dans le sens de plus pesant, ce côté-ci? Oui. Oui. Quand je parle de succession, parce que on avait vraiment un problème où tout le monde était 16 ans ou plus, ou 12 ans ou plus. Mais ça, c'est un peu le contraire de ce que je pensais. Donc, je suis d'accord avec mon deuxième point de procédure aussi, quand tu dis qu'il y a peut-être un enjeu pour le Québec. Je suis là-dessus. À moins que c'était avant, excuse-moi. Mais avant, la représentativité, il y a des enjeux. Tu sais, celle-là, là. Donc, il va travailler plus sur la représentativité, il va travailler peut-être plus sur l'éducation des gens qui sont là. C'est peut-être plus que. Ben, je pense qu'une des questions, c'est quoi les critères pour effectivement apprécier la santé de la vitalité de vos tables politiques? Mm-hmm. Est-ce qu'on peut se poser la question à savoir, est-ce que notre table est représentative de notre clientèle étudiante? Présentement, ben, vous pourriez dire, bon, c'est pas, on n'a pas encore de données sur les données sociodémographiques. Bien, ça va venir dans les prochaines années parce que vous allez tous cueillir des données et là avoir un meilleur portrait. Alors ça, ça serait une question intéressante à se poser. C'est si à votre table politique, par exemple, il y a, je sais pas moi, 10 % ou 5 % de renouvellement à chaque élection. Est-ce que vous considérez que c'est un bon coup ou bien est-ce que vous considérez que... est-ce qu'il y a une équité de genre? T'sais, donc, ce serait peut-être intéressant d'avoir une réflexion là-dessus à savoir, mais comment on apprécie? T'sais, parce que il y a... Bien sûr, il y a l'engagement des personnes qui sont là, mais est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement d'autres critères qui nous amènent à se dire, bien, c'est vrai, on est content de la table politique qu'on a parce qu'il y a, en fait, en termes de candidature, s'il y a deux candidatures de plus qu'il y a de place à la table, est-ce que c'est un succès, ça? C'est un succès peut-être pour celles et ceux qui sont réélus, qui sont acclamés, qui n'ont pas besoin, je comprends ça, mais tu sais, gentiment, je vous dirais, ben, t'sais, s'il y avait une élection pour chacun des postes, puis il y avait à une table de 12 conseillers à conseiller, 24 personnes qui se présentaient, ou 36 personnes, on pourrait parler peut-être plus de santé et de vitalité à ce moment-là. C'est des luttes dans tout. Je ne sais pas, là. Je dis n'importe quoi, là, Joanne. Ben, ton point que tu amènes au sein de notre conseil, la chose que j'ai remarquée, souvent, pendant la période des élections, chaque 4 ans, plusieurs de nous ont été acclamés, quelques élections ici et là. Mais lorsqu'on a un poste vacant, puis qu'on fait la demande, bien là, il y a de la compétition. Ah! Les gens vont venir appliquer. Oui, parce que souvent, pour nos postes, on a eu 2 ou 3 candidats qui venaient. Bon, là, on les rencontre, on fait l'entrevue, tout ça. Donc, j'ai remarqué que c'est intéressant, ce fait-là, parce qu'on avait peut-être plus juste à voir, mais à chaque fois qu'on a été remplacé, on a toujours eu. La compétition, ça n'a jamais été examiné. Donc, c'est un phénomène qui est intéressant. Ce qu'on a peur, c'est une question que je pose à tout le monde. Ouais. Ce qu'on a peur, c'est que le gouvernement provincial arrive à dire OK, il vient d'avoir une élection, on dit qu'on est passé au mois de novembre, ouais. Puis sur les 81 conseillers scolaires francophones en Ontario, ouais. Il y en a eu 62 qui n'ont pas eu d'élection. Oui.
Ontario. Oui. Donc, il n'y a pas un intérêt pour ça. Mais on ne peut pas juste dire ça comme ça, là. Il n'y a pas un intérêt. Parce que moi, si je demande un remplaçant, puis me faire remplacer comme conseiller scolaire, je vais nécessairement le faire à un moment donné, quand je vais débarquer de ça. La personne va me demander des questions, elle va dire, OK, j'embarque là-dedans, là, ça veut dire quoi, là, j'embarque dans quoi, là? Vous avez un budget de 200 millions. Oh my God, il y a plein d'argent là-dedans, mais 80% de ton 200 millions, c'est des salaires, c'est des enseignants. Fait il te reste le 20% là, pour jouer avec, payer des autobus, en tout cas. Là, il y a un meilleur d'argent pour pouvoir améliorer ça, mais il reste, c'est pas tout de même que ça marche, là. Puis, comment je vais payer? Oups, là, on prend un nœud solide. Mais tu avais des bonnes questions, Jean, parce que vous voyez la réflexion que le gouvernement Legault a faite. Oui, mm-hmm. C'est le même qui l'a fait. Il n'y en a plus d'élection scolaire, pas pour les francophones, pas pour les Québécois francophones. Pour les anglophones, la minorité a gardé son droit. Mais les francophones, il n'y a plus d'élection, ils sont carrément nommés par le bureau du ministre de l'Éducation, je pense. Oui. Donc, tu sais, à ta question, OK, 85% des conseillers sont réclamés. Ils pourraient faire la généralisation puis un peu l'extraction qu'il n'y a pas d'intérêt. On va les nommer, nous. Mm-hmm. Ouais. Simpliste, là, comme fait de penser. Mais c'est peut-être inquiétant, je ne sais pas. Oui. Une acclamation, ça peut aussi être positif. Parce que moi, en tant que candidate potentielle pour la prochaine élection, je n'irai jamais mettre mon nom quand je vais enlever au Joanne Lacombe. Parce qu'on sait qu'il fait de la bonne job, puis on sait qu'on ne voudrait pas compétitionner contre ces gens-là. C'est un exemple, là, vous comprenez. Mais, tu sais, c'est juste un exemple, comme, tu sais, quand ils disent, oh, tu sais, Mme Lacombe, elle a écrit son nom, là, je dirais pas si je vais attendre, parce que je ne gagnerais pas contre Mme Lacombe. Mme Lacombe, elle va être acclamée, parce qu'elle est tellement bonne à sa job, que le monde, ils ont confiance en elle pour faire du bon boulot, puis... C'est un très bon point, oui. L'autre aspect de l'effectif que j'aime considérer, c'est qu'il faut participer dans la majorité. Donc, si des personnes à la table donnent leur nom pour un comité, mais ce qu'on en face à ces réunions-là, c'est un message, ça aussi. Je reviens à mon idée de toujours avoir notre rôle devant nous, pour qu'on sache est-ce qu'on fait le travail nécessaire pour rencontrer nos conditions de travail. Ouais. Ou non, mais tu sais, si personne n'en parle après, ça va continuer. Puis là, tu perds un peu l'intérêt d'un ou deux individus de la table qui ne respectent pas leur engagement. Bien, puis ça, c'est intéressant parce qu'il y a un phénomène qui est relativement nouveau dans le système de santé en Ontario, où il y a je pense que c'est maintenant une obligation par les agréments, que les membres d'un CA s'auto-évaluent. Donc, à chaque année, si c'est Didier qui est le président du conseil, chacun autour de la table va apprécier la contribution de chacune et chacun d'entre nous. Puis ensuite, Didier, notre président, il va nous appeler pour faire un débrief avec nous de ce que nos collègues ont pensé de notre contribution. Ah, il ne parle pas souvent dans le geste, mais quand il parle, les interventions sont super humbles et sont l'apprécient. Oh boy, lui, Benoît, il parle tout le temps, mais il ne dit pas grand-chose, puis ce serait fun s'il laisserait les autres prendre plus de place. Okay. Mais c'est vraiment normé comme appréciation, puis c'est là où les gens peuvent vous dire, bien, ils s'engagent sur des comités, mais pas très présents, puis je trouve ça intéressant, parce que là, ça donne à la personne la matière à réfléchir pour s'auto-évaluer. Auto-évaluer un peu sa contribution autour de la table, puis réfléchir à savoir s'il devrait être là pour un prochain mandat ou pas. Si des décisions, il doit changer sa façon. Peut-être, oui, exactement. Puis là, ça prend. Jusqu'à quel point est-ce que mon mandat est respecté? Me pose des questions. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Donc, c'est quoi les critères de performance? Dans le fond, l'évaluation que vous
est-ce que je me trompe que l'évaluation que vous obtenez, dans le fond, c'est celle que les électeurs font ou ne font pas? C'est ça. Parce que là, comme collègue, est-ce que vous allez aller dire à votre collègue, « Hey, non, j'entends dire que les conseils d'école, là, ils te cherchent puis ils ne trouvent pas. » C'est un peu sensible, on ne va pas dire ça à nos collègues. Hein? Ça, c'est pas de mes affaires parce que je gère différemment que moi. Moi, je vais à chacune de leurs réunions, puis ils trouvent que je prends trop de place dans leur réunion, mais j'annonce toutes les nouvelles du conseil, puis ils trouvent que c'est plate à mort. Mais peut-être que c'est une belle façon, puis comme vous dites, d'autres sont absents. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les écoles auxquelles on est invité à l'année longue. Ben oui. Tu t'aimes quand même être là quand tu as des... Pour moi, c'est la chose la plus importante. Ouais. Dans mon cas, moi j'aime, quand je suis invitée à une école, être là, participer. Et, être faire partie de cette communauté-là. Ben, j'en ai plusieurs communautés, c'est vrai. Et je sens que je fais vraiment partie, les gens me connaissent et apprécient que je sois là. Aux choses importantes. Mm-hmm. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas fait, je m'en fous ça énormément. Est-ce que des questions comme celle-là, vous voulez poser des fois? Comme là, vous abordez peut-être ou pas encore la prochaine élection qui s'en vient. Est-ce que vous vous êtes demandé, mais c'est quoi les bons coups que j'ai fait pendant mon mandat? Avec quels objectifs j'étais parti il y a 4 ans? Est-ce qu'on a fait du chemin par rapport à ça? C'est quoi ma contribution par rapport à la bonne gouvernance de mon conseil? Est-ce que j'ai contribué? Est-ce que des fois j'ai un peu mis les bâtons dans les roues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit en cours de mandat? Est-ce que j'ai vraiment l'élan pour la prochaine élection? Puis si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui me motive réellement? Puis c'est quoi les enjeux qui sont reliés par rapport à rester ou à quitter? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez avant de... Oui? Motivation de la prochaine élection. Oui. Contribuable vient voir, il dit, contribuable, oui. Est-ce que tu as des enfants à l'école? Non, j'ai plus d'enfants à l'école. Moi, j'ai commencé quand ma fille était en première année. OK? J'ai commencé comme conseiller scolaire à ce moment-là. J'étais encore là. Elle est sortie, mon fils est sorti de l'école. 39 ans plus tard, on est content. 39 ans plus tard, on est content. Oui. Puis là, la personne qui me pose cette question-là, comment tu peux prendre des décisions pour mes enfants qui sont dans ton école? La réponse que je lui ai faite, il dit, ça s'adonne que les 4 petits-enfants qui sont dans nos écoles. Puis là, à chaque fois que je prends cette place de la réunion, puis je suis en train de décider que ce soit sur le budget ou quoi que ce soit. Là, ça vient tout le temps dans ma tête. Comment me faire pour aider ces 4 enfants-là qui vont débouler sur tous les enfants du conseil les décisions que je vais prendre? Puis c'est le même que d'avoir mes décisions. OK, ça va faire quoi pour mes 4 petits-enfants dans l'école? Puis moi, j'ai cette perspective-là, quand je rentre dans mes réunions, je me dis, si c'est pas bon pour eux autres, pourquoi est-ce qu'on en discute? Puis c'est le même que j'ai répondu aux parents, en voulant dire, bien, c'est pas bon au conseiller scolaire, t'as pas d'enfant scolaire. Quelle motivation tu as à faire ce que tu fais? Puis moi, c'est le même que j'ai répondu, puis je me disais, bien, peut-être que quand les autres vont être partis, ben ça va être avant ça, j'aurai plus d'intérêt, là. Mais c'est un peu comme ça. Ma motivation, moi, pour la prochaine élection, c'est encore ça. Pour mes enfants, ben, ça aide mes enfants, parce qu'il y a 2 enfants sur l'école, mais je vais le faire pour mes enfants, point. Le restant, là, ça prend un coup. C'est quoi que tu perds l'intérêt? Tu perds l'énergie. Vous, mesdames, j'essaie. La motivation. Oui, ou comment vous vous sentez par rapport à notre discussion jusqu'à maintenant? Très intéressant. Moi, ma motivation, c'est surtout pour sauvegarder la catholicité dans notre système. À presque tous les jours, on entend quelqu'un parler de garder tout neutre pour ne pas offenser les autres religions. Mais nous, comme étant conseillère catholique, c'est ma raison d'être, la religion, ensuite l'enseignement du français. C'est ce qui nous motive pour le savoir. OK, merci, Joanne.
Moi, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai encore à contribuer? Mm-hmm. Est-ce que je suis assise là juste pour être assise là? Ou est-ce que je participe dans les réunions? Est-ce que je fais une différence? Est-ce que... Puis quand je me réponds, oui, j'ai encore des choses à contribuer, oui, je veux encore contribuer, ouais, ça, c'est ma question que je pose à chaque fois. Dans mon cas, j'ai passé 36 ans en enseignant et puis par la suite, j'ai pris une pause. Puis pendant la pause, j'ai eu des petits enfants. Donc, une partie, c'est pour eux. Puis une partie, c'est parce que je suis encore très curieuse et je veux savoir ce qui se passe. Et puis, je veux m'assurer non seulement pour les petits enfants, mais pour tous les enfants. On donne le meilleur à nos jeunes. Et donc, ça, c'est ma motivation. Et quand j'aurai pas des lettres, ça va être le temps de donner ma place. Mais entre-temps, puis probablement ma place, je vais la donner après, pas cette fois-ci, mais après ça. Puis pendant le temps que mon dernier mandat, je vais être en train de parler et de chercher pour quelqu'un qui va être capable pour vous en donner un. Merci. Ouais. Moi, ma motivation, c'est que je suis en passant toute nouvelle, ça fait à peine un an. Ah oui? Oui, oui. Ah, ben c'est en février l'année dernière. Ah, OK. Oui, oui. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Après une carrière en enseignement. OK. Puis une longue pause entre les deux. moi, je viens d'un milieu rural. Et je veux m'assurer que mes écoles rurales restent chez nous pour que mes enfants, mes petits-enfants, je le dis, restent dans leur milieu. Je trouve ça très important. Je sais qu'il y a des autobus scolaires. Je le sais, je suis pas un idiote, mais je veux garder mes écoles chez nous. Alors, c'est la motivation. Okay. Pour continuer avec madame, je pense que c'est important d'avoir cette personne-là. Surtout pour faire sûr que nos écoles rurales éloignées aient la même affaire que les autres. Oui. Je crois que c'est très important. Oui. Puis moi, c'est de garder nos francophones dans les écoles de langue française. On a des écoles de langue anglaise un peu partout, puis tout demain, on est à 85% francophones. Puis on a des petits francophones. On a deux écoles de langue anglaise pas loin, une catholique et une publique, qui sont à moitié et plus, jeunes, oui, remplis de nos francophones. De oui, là, comme j'ai des gens qui viennent frapper à la porte pour vendre du chocolat, là. Des francophones avec leur maman, deux belles petites filles, là, puis genre, oui, certain, je vais vous encourager. J'achète mon chocolat, et à quelle école allez-vous? À l'école, la maman est francophone complète, qui est des amis du Québec, ça fait pas longtemps. Mais oui, mais c'est pour apprendre l'anglais. Et ces écoles-là s'annoncent comme étant bilingues. J'ai fait beaucoup de cabales au conseil, comme vous savez, ça fait des années. On a ajouté des choses. Il va falloir faire plus. Il faut vraiment dire plus. C'est valable. On est des écoles de langue française, le français est important, mais il va falloir dire qu'on est aussi bilingue. Il faut le dire que nous avons des écoles bilingues. Avant, c'était quasiment un péché mortel de dire qu'on était bilingue quand on se battait pour nos écoles. Hein? C'était un péché. Là, il faut véritablement regarder. Voilà, je suis tout émotionnelle. Moi, je pourrais pleurer quand je vois ça. C'est une de mes grandes motivations. Ah, merci. Pour moi, j'ai eu une école française. Je suis chanceuse parce que mes parents parlent français à la maison, mais on n'a pas d'amis à parler qui parlent français. Pour moi, je veux garantir que mes enfants et mes petits-enfants ont la chance de parler français et d'apprendre le français. Parce que moi, je force, puis il y a des gens, comme vous savez, pour m'exprimer, j'ai de la misère à m'exprimer des fois parce que je n'ai pas appris à l'école. Ça fait une grande, grande différence. Tu t'exprimes très bien. Oui. Je pense. Donc, est-ce que dans le fond, l'état de situation il est inquiétant? Oui. Très. C'est votre diagnostic, oui. Oui.
l'identification de, du linguisme ou de la succession? Un peu de tout, je pense, parce que même niveau garanti, c'est pas garanti. Alors, il faut continuer à se débattre, à faire notre campagne, à faire notre cabale, à faire ce qu'on a à faire pour assurer qu'on puisse garder ce qu'on a, premièrement, et par la suite, peut-être en faire du mieux, quand ça va nous permettre. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre pour acquis que it's a done deal, parce que ça ne l'a pas en ce moment. Il faut que je vous dise, dans les années là, 80, vers la fin, lorsqu'on a établi les sections de langue française dans les conseils anglophones, j'étais là, j'ai passé 10 ans. Ah oui. 25 ans après, je suis rendue au conseil à Ottawa, dans le CECE. Oui. Puis je ne pouvais pas croire que les mêmes batailles, il y avait 25 ans, étaient pareilles, ont continué. Oui. On a eu des améliorations, oui. Mais pas beaucoup a changé dans 25 ans. Ça, ça vous décourage? Ça, comment vous vous sentez par rapport à ça? Ça fait peur. Est-ce qu'on va voir un moment où les francophones, on n'aura pas besoin de se battre pour avoir, pour maintenir nos droits acquis? On parle toujours de relève. Moi, ça fait 31 ans que je suis directeur général d'un centre communautaire en milieu de l'université. La relève, là, c'est un rêve. Ça n'existe pas. Regardez où sont vos enfants, vos petits-enfants dans les organismes communautaires. Elles sont là. Donc, il n'y a pas de relève au sein des communautés franco-ontariennes. Et regardez l'immigration, facteur d'immigration, qui est le futur du français en Ontario. Dans le conseil scolaire, regardez aujourd'hui à notre grande assemblée, où est la diversité? Où est l'inclusivité? Le racisme, le préjudice existe dans la communauté franco-ontarienne de souche. Et tant qu'on a ça, on aura des difficultés à survivre comme communauté francophone. Je sais que ça peut choquer du monde, ce que tu l'as, mais ça, c'est la vérité. La vérité. Et moi, je suis immigrant, d'origine de la Belgique. J'ai vécu ce transfert de culture, de tomber en amour avec la communauté franco-ontarienne. Ça a pris du temps que je la découvre, que je l'apprenne, que je l'apprécie et que je m'implique. Mais tant qu'on n'inclut pas les immigrants, tant qu'on n'est pas tous diversifiés au sein de nos communautés et inclusifs et les accueillir fortement, madame Raymond, de questionner notre avenir et notre survie. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison? J'aime l'analogie que les francophones, comparativement aux francophones au Québec, c'est comme des champs de blé, on les voit partout. En Ontario français, c'est comme des tables de bleu, vraiment creusées pour aller chercher. Est-ce que tu provoques, Didier, tu provoques, j'aime ça, merci beaucoup. On te connaît comme ça, oui, je sais, tant mieux. Mais est-ce que tu dis la relève n'existe pas, puis notionnellement, on pourrait dire que ça n'existe pas, mais est-ce que comme les tables de bleu, si on cherche, on creuse, on s'intéresse, on peut trouver selon toi, ou est-ce que même cet espoir-là, il est mort? Pour moi, personnellement, ça fait 31 ans que je cherche pour, que je cherche encore pour. Il y a des termes, absolument. Il y a encore, dans notre jeunesse, il y a encore des termes convaincus, passionnés, ambitionnés, qui vont joindre, qui vont participer à ce développement communautaire que l'on fait. Mais elles sont rares. On peut les cultiver, absolument. Puis je pense que les conseils scolaires ont un rôle à jouer, cultiver cet amour, cette passion de la langue française et la communauté, la culture, etc. Mais le résultat, à date, est très décevant. Merci, Joanne. Merci pour le commentaire, parce que d'un côté de moi, il y a quelques années passées, si tu vas me poser la question, je l'ai dit, j'ai une très grande inquiétude au niveau de relève, au niveau de... Parce qu'on n'est plus dans une société où le bénévolat est bien vu, est valorisé. Surtout dans une communauté francophone, combien de fois, écoute-moi, je reçois des demandes de siéger cette sorte de CA dans la francophonie parce que mon nom est connu, on m'appelle, etc. Je ne peux pas faire. Donc, c'est toujours la même clique, hein, qui est toujours. Ouais, mais en ce moment, je vois la jeunesse
Puis je sais pas, j'espère que c'est parce que dans nos écoles, on exige du temps de bénévolat, comme vous le savez. Puis je pense qu'on commence à avoir un petit peu des résultats de ce côté-là. Parce que les jeunes que nous voyons en ce moment, ils sont très conscients de c'est quoi la communauté, comment est-ce que je peux aider, je veux faire une différence. Donc, de toute façon, je vois un petit brin d'espoir, c'est pas tout de suite, mais je souhaite que ça va continuer, qu'on va continuer à cultiver ça pour... Et en ce moment, je suis inquiète au niveau de la société, le bénévolat, le travail, qui sont payés, les études bénévolat. On fait ça par conviction, on fait ça sur le plan réel. Donc, extérieur de l'école, c'est en français. Donc, c'est pas juste avec l'école et avec le centre que tu peux avoir du fun en français. Cette année, on a commencé à travailler, communiquer avec les gens qui s'occupent de soccer, qui s'occupent de différentes activités dans notre communauté, et on cherche des instructeurs francophones qui parlent en français pour être capable d'ensuite annoncer une ligue de soccer en français. Une équipe de qui peut fonctionner en français. C'est un défi de trouver ces gens-là. Parce que là, pour regarder, OK, on trouve quelqu'un qui est prêt à le faire, il va falloir s'assurer qu'il obtienne sa formation, puis être certifié comme les autres. Il faut que ça soit à la même hauteur. Donc, c'est un défi constant de s'assurer qu'on puisse. T'es chanceux si tu vas pour des cours de nage, puis la personne que ton jeune a parle les deux langues. Finalement, gros joie de verre, quand tu sais que l'individu qui enseigne cet enfant-là, c'est un gradué de ton école scolaire, puis de ton école secondaire, puis il n'est pas capable, comme ça me rend encore plus là. Mais c'est notre réalité comme communauté minoritaire. Donc, il faut travailler, il faut aller chercher des jeunes. Parce qu'on peut payer un jeune qui travaille en français, puis qui a le même salaire que son chum à côté, qui travaille en anglais, peut-être qu'on va les avoir. Mais c'est un défi par ça. Oui. Je vais enchaîner là-dessus. Oui. Pour revenir à l'état de situation, est-ce que c'est une problématique? Il y en a une. Mais je pense que c'est pour les coups de la passion et l'engagement des gens qui sont là. Je pense que cette passion-là, tant aussi longtemps que la femme est allumée, on est correct. La relève est importante. La relève est importante parce que les enjeux vont changer. Ils sont en train de changer. On a soulevé des conseils anglophones que tu disais que ça fiche comme étant des écoles françaises. Bilingue. Par exemple, chez nous, les écoles avaient arrivé dans le temps, puis ça ne fait pas en français. Là, moi aussi, j'ai la même réaction que toi. Là. Ces enjeux-là sont nouveaux, mais j'ai confiance en la relève, c'est dit, mais il faut y travailler. Mais tant qu'on a cette passion-là pour aller chercher, je pense qu'on est correct. Mais il faut s'assurer qu'on est place. Puis ça, je vous ai entendu dire que vous, de ce que j'ai compris, vous dites à la fois que c'est oui la responsabilité des conseils. Dans certains cas, il y a des campagnes de promotion explicites. Dans d'autres cas, vous dites que c'est aussi nous comme responsabilité de susciter de l'intérêt. Si je quitte, parce que si je quitte pas, ben bon, je n'ai pas de grosse campagne non plus, mais peut-être pour d'autres sièges dans le conseil. Donc, comme une responsabilité partagée que j'entends là. Jean? Un point qu'on a vraiment battu au niveau des écoles, on a dit, les francophones, vos écoles, si vous ne réussissez pas à vos écoles, si vos taux de diplomation ne sont pas là, ne sont pas bons, vous êtes à 80% ou à 75% taux de diplomation, oui. Ça veut dire que sur chaque 100 élèves, il y en a 25 qui n'arrêtent pas. Vous ne vendrez pas votre école avec ça. On est condamnés à être les meilleurs. Parce que si on ne l'est pas, ils s'en vont, ils ne resteront pas chez nous. Moi, quand je rencontre un parent, puis je dis dans mon conseil que 93% des élèves du secondaire en 12e année, ils vont graduer, il faut que je rencontre 7 parents sur 5 pour lui dire votre élève, il ne graduera pas cette année. Pas content, là, lui, là. J'en ai 93 qui sont contents sur 5, mais il y en a 7 qui ne sont pas contents. Ça, il suffit, ils nous confient des enfants pour les éduquer, qu'ils reçoivent un diplôme, puis qu'ils poursuivent leur vie au collège, université ou autre, ou dans les métiers. Mais quand on arrive à ça, si on est capable de battre les écoles anglophones qui ont des taux de graduation beaucoup moindres, demandez à n'importe quel parent,
pour anglophones et francophones. Veux-tu que ton enfant gradue, puis je te donne des taux de 93%, tu vas aller à l'école anglaise, puis tu vas avoir 80%, quelles sont tes chances? Pareil, il n'y aura pas le choix. Il ne pensera pas 10 minutes. Il faut travailler. On travaille là-dessus, nous autres, là, puis c'est notre point de vente. Puis les anglophones dans notre bout, ils ne nous aiment pas à cause de ça. Puis on est contents que ce soit le même. Ouais. Mais pour la situation, là, nous autres, c'est ça qu'on dit. Puis quand ils arrivent en sixième année, avant de passer en septième année, on s'assure que les parents savent dans quoi ils s'en battent. Puis qu'est-ce qu'ils vont avoir à la fin. Le fameux diplôme bilingue qu'on donne après la 12e année, quand on suivit 4 cours de English, pas anglais, English, puis 4 cours de français, et on voit un diplôme bilingue qui est respecté par le gouvernement fédéral qui reste à côté de chez nous. Okay. Les parents disent, OK, good, j'embarque. Ça, on ne fait pas les mal. Ben écoutez, je pense que on peut se dire que la succession, ça n'arrivera pas par magie, de ce que j'entends, puis qu'il y a beaucoup d'enjeux en cours majeurs. Ça dépasse le cadre des conseils scolaires, mais je pense que ça vous interpelle directement aussi. Puis, je vois le temps filer, mais j'aimerais ça juste vous proposer peut-être des pistes de réflexion que vous voudrez, dans lesquelles vous voudrez ou pas vous inspirer, qu'on va vous partager ça ici, bien sûr, comme présentation. Puis c'est peut-être des pistes de réflexion avec vos tables politiques pour vous demander c'est quoi l'état de notre santé successorale autour de notre table à nous? Est-ce qu'on est en bonne santé ou est-ce qu'on est comme soleil un petit peu sur l'aspirateur artificiel? Mm-hmm. Est-ce qu'on doit s'en préoccuper ou pas vraiment? C'est la responsabilité, est-ce qu'on est d'accord sur une responsabilité partagée entre notre administration et nous, comme conseillère et conseiller, puis on va travailler conjointement parce qu'on veut qu'il y ait l'intérêt jusqu'à un certain point. Puis est-ce qu'il y a des approches qu'on devrait déployer pour plus susciter l'intérêt du public puis en parler régulièrement? C'est pas juste après 6 mois de l'élection. C'est peut-être même 6 mois après l'élection qu'on prépare la prochaine élection dans 4 ans, parce qu'on commence à en parler. C'est un gros engagement que vous avez pris. Vous n'avez sans doute pas pris ça juste du jour au lendemain. Vous n'avez pas parlé à vos familles, vos conjoints. Donc, laissez du temps. Fait que c'est des pistes de réflexion que je vous partage. Sous responsabilité, moi, j'ajouterais même la communauté. Alors, oui, c'est bon point. Pour réveiller, c'est juste en s'assurant que la communauté est consciente de ce qui se passe chez nous. Tu peux aller inciter peut-être un intérêt de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas exclure la communauté autour de vous. Bien dit. Tout à fait. Mais il y a peut-être une attente que vous aurez à formuler éventuellement pour votre association provinciale. Parce qu'il y a un rôle à particulier à porter des messages auprès du gouvernement ou auprès de d'autres partenaires. Je ne sais pas, tu sais, par rapport à ce que tu soulevais, Jean, par rapport à une question que le gouvernement pourrait se poser sur... puis peut-être que s'il regardait l'ensemble des conseils en province, puis il voyait que dans 85% des cas, les conseils scolaires in Ontario sont élus par acclamation, est-ce que c'est une inquiétude, ça, puis il pourrait scraper la démocratie des conseils scolaires, puis assigner des conseils? Mm-hmm. Ouais. Ça se peut, c'est possible. Donc, est-ce qu'il y a une veille un peu stratégique à garder à l'horizon pour ça? Je ne sais pas, là. Je n'ai pas créé de phobie plus qu'il faut. Donc, on ne dormira pas ce soir, mais ça va. C'est ta faute. Mais c'est parce que, c'est pas Monseigneur hier qui disait que dans tout naufrage de l'espérance. Oui, c'est... Oh! Oh! L'espérance et la joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui remercie. C'est de la façon, c'est ça que tu es un expert, c'est de la façon que tu t'es pris pour nous inviter à parler. Tu n'as pas imposé rien. Ouais. Puis on a ouvert nos trucs. Mm-hmm. Je ne pensais jamais d'avoir un temps de réflexion comme ça. C'est vraiment enrichissant. Là. Bravo. Puis je voudrais recommander ton cadeau à vos deuxièmes. Merci beaucoup, tout le monde. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Là. Merci beaucoup.